Je m'appelle Awad al-Karim Mohamed et je suis imam de la mosquée Nour al-Islam, le quartier kilomètre 5. Vraiment, la situation est très difficile. Nous sommes dans une situation critique parce que les musulmans sont enclavés en quelque sorte. On ne peut pas sortir un pas du kilomètre 5. Quand tu fais un pas en dehors de ces périmètres-là, c'est fini. Tu seras lynché par les gens-là, les anti-balaka. C'est simplement par rapport à notre religion. Quand tu es musulman, c'est fini. Tu es ciblé, on cherche à t'éliminer seulement. Nous sommes des centrafricains, mais je ne sais pas ce qu'on a fait. S'il est vrai, la Séléka est venue, s'ils ont des problèmes avec la Séléka, ils n'ont qu'à traiter les problèmes avec la Séléka et ils nous laissent tranquilles. Mais nous, nous sommes des civils. Pourquoi cet amalgame? Mélanger toutes les choses comme ça, pourquoi? Quand on te voit un musulman, on te dit que tu es Séléka. Séléka, Séléka, et puis c'est fini pour toi. Si ça continue comme ça, est-ce qu'on peut rester? Comment on peut rester comme ça? C'est difficile. On ne peut pas rester comme ça, toujours vraiment emprisonné. Hein? Rester dans une geôle comme ça, c'est pas possible. Moi, je m'appelle Mohamed Al-Hala, j'ai 25 ans. Maintenant, je suis ici, c'est moi encore, j'habite où? Ici, c'est à l'aéroport. Ça fait un mois et demi comme ça. On ne donne pas de mousse, on dort seulement sur les nappes, là seulement, sur les terres, sans couverture. Je dors comme ça. Bon, je n'ai pas d'argent pour acheter la couverture là. Je ne peux pas retourner aux 5 kilos. Les choses à manger aussi, c'est des problèmes. Je souffre avec tout mon corps là. Et moi, je n'ai rien, je n'ai aucune famille. Ils ont tous assassiné. On n'arrivait même pas à trouver pour la place de l'enterrement. À l'enterrer, lui. Dans la parcelle seulement, ils ont cassé beaucoup de mosquées. Beaucoup, même ils ont déchiré le Coran. Est-ce que c'est bon? C'est pas normal. C'est pour cela qu'on veut seulement quitter le pays là. On ne voulait plus rester ici. The condition is very bad. You know, we have 2 months and 25 days in this place. It's miserable, really. It is the worst of the worst. First of all, we don't have water. You see the situation. Two, we don't have market. You see the situation. Three, we are in a small prison. We have only 200 meters. 5 days ago, we have 3 old women dying here because of hunger. Three women dying here because of hunger. I have 7 children dying in this camp because of hunger. Last night we want to trek from here to Bambari by foot. So the United Nations groups are coming here, all of them. They said, no, we are going to do everything for you. We give them time, you know, they have 5 days. They do it, they don't do it, we move. You cannot stay here to be killed. Even our Muslim people in the town now, they are hostages. They don't have food, they don't have security, they have been killed every day, blah, 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 blah. So what we can do? On ne peut pas continuer à vivre comme ça, comme des prisonniers. Là, c'est notre pays. C'est notre pays. Nous sommes nés ici, nos grands-parents, c'est notre patrie. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Nous, on n'a pas l'intention de partir. Partir où? Partir ailleurs pour aller être des réfugiés dans d'autres pays alors que nous avons notre patrie? C'est pourquoi vous voyez ces jeunes gens qui sont tombés là. C'est en défendant le kilomètre 5. Nous allons continuer à défendre. C'est notre patrie. Nous sommes nés ici. Et nous allons continuer à défendre ça. Nous sommes musulmans. Nous sommes fiers d'être musulmans. Inch'Allah, nous allons continuer à nous battre jusqu'à notre dernier souffle. On n'a pas envie de partir. C'est ça notre objectif.